Masechet Yebamot Dav Samechhe. Donc on dit que, à propos des Vesatot, c'est-à-dire que les fois où la femme voit du sang, les dates auxquelles elle doit faire attention par rapport à son mari, parce que c'est des jours où normalement elle est censée voir, avoir ses règles. Et donc on a vu dans une Mishnah, dans Masechet Nida Dav Samech Gimel, que En Aisha Kova'at la Veset Achek Tikba Ena Shalosh Pe'amim. Donc une femme va fixer son V7 seulement une fois que, à trois reprises, trois mois consécutifs, elle a vu à cette date du sang. Et donc on fixe que c'est à ce moment-là que ça va venir. Donc ça veut dire que même si elle a vu deux fois, à deux reprises, elle n'a pas encore la chazaka. C'est au bout de trois fois. Et donc toutes les taharot avec lesquelles elle était occupée depuis hier, elles sont tmeot. Mais si le sang est déjà arrivé trois fois et que maintenant on est à la quatrième fois, donc là au bout de la quatrième fois, donc on a, lorsque ça arrive la quatrième fois, on a fixé que les trois fois qu'elle l'a vu à la même date, par exemple le premier du mois, alors c'est à ce moment-là que le sang est venu et on ne craint pas que toutes les taharot qu'elle a touchées la veille sont tmeot. Parce qu'elle a chazaka que le sang arrive à cette date et pas avant. Par contre, en mitaheret minaveset achete aker mi mena shalosh peamim. Pour pouvoir enlever le V7, alors il faut que pendant à trois reprises, elle n'a pas vu à cette date-là du sang. Donc même si elle a vu deux fois, elle a encore la chazaka de son V7. Donc on voit que de cette Mishnah, ça va comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit qu'il faut trois fois pour fixer la chazaka et pas deux fois comme Rabbi. Veshor Amouad. Et on a vu le dîme de Rabban Gamliel à propos du Shor Amouad, donc le taureau qui est en corne. Ditnan. Parce que la Mishnah nous dit En Ashor Naase Mouad, Ache Yaïdoubo Shlosha Pe'amim. Donc le Shor, le taureau qui est encorné, va être Mouad et donc il va payer Kol Anezek, c'est-à-dire il va payer Nezek Shalem. D'accord, lorsqu'il est Mouad, il va payer tout le dommage qu'il a causé, et pas Khati Nezek, jusqu'à que on ait témoigné que ce taureau a encorné trois fois. Tant qu'on n'a pas témoigné qu'il a encorné trois fois, alors il paye toujours Khati Nezek, la moitié du dommage. Donc la Chazaka, on voit qu'elle est encore trois fois comme Rabban Shimon ben Gamliel. Maintenant, on va revenir au dîme de la femme qui n'a pas eu d'enfant, que notre Mishnah parle de, ça, de ce cas. Tanou Rabbanan, Rami nous enseigne, Niset les Rishon, Velo Ayoula Banim, si elle s'est mariée à un premier mari, elle a vécu 10 ans avec lui, elle n'a pas pu lui donner de garçon, d'enfant, et donc il a dû la divorcer et lui a payé la Ktouba. La Chéni, ensuite elle s'est mariée au deuxième, Velo Ayoula Banim, et pareil, pendant 10 ans elle lui a pas donné d'enfant, donc il a divorcé et lui a donné la Ktouba. La Shlishi, Lotinase, la Lemishesh Lobanim. Là, par contre, pour le troisième mari, elle pourra se marier seulement avec quelqu'un qui a déjà eu des enfants et qui a déjà accompli la mitzvah de Péria Verivia. Mais un mari qui n'a pas encore fait la mitzvah, alors non, il ne peut pas se marier avec elle parce qu'on considère qu'elle est akara. Ah, niset le mishen lo banim, tetse beloktuva. Et donc, si elle se marie malgré tout avec quelqu'un qui n'a pas eu d'enfants, eh ben, il doit la divorcer, il ne doit pas attendre 10 ans. Et en plus, il ne lui paye pas la ktuva. Alors, Chachamim sont demandés, Ibarali, Niset la Shlishi velo ayu la banim, maou le delit be'ouha anar kama'e. C'est-à-dire, si elle est restée 10 ans avec lui, sans lui donner d'enfant, avec un premier mari, il a divorcé, il lui a payé tout ça. Pareil avec le deuxième, maintenant avec le troisième, si elle est restée avec lui quand même 10 ans, et il lui a toujours pas donné d'enfant, est-ce que les deux premiers maris qui lui ont payé la ktouba, peuvent lui réclamer en retour de se faire rembourser de leur touba qu'ils ont payé? Parce que là, il a été clairement prouvé qu'elle est akara. Nous, on se disait à l'époque que peut-être avec un autre mari, elle va avoir des enfants. Donc c'est pour ça qu'on lui paye la touba. Mais là, il s'avère que c'est arrivé trois fois. Alors, Mimatsu Amrela,
est-ce qu'ils peuvent lui dire Igalai Milta de Atu di Garant? Est-ce qu'ils peuvent dire rétroactivement, maintenant on peut affirmer que c'est toi, en parlant à la femme, qui a provoqué le fait qu'on n'ait pas eu d'enfant, parce que tu étais à Kara, et donc il faut que tu nous rembourses? Odilma, Matsit Amra Lehu, peut-être que non, elle peut leur répondre, Hashta ou Dikrashi, seulement après mon troisième mariage, je suis devenu Akara. Mais peut-être qu'avant, lorsque j'étais avec vous, j'étais pas Akara. Mistabra, Matsit Amra Lehu, Hashta ou Dikrashi. Et la Gemara nous dit, c'est vrai que c'est logique que la femme peut dire qu'elle n'a pas le devoir de leur rembourser la Ktouba, parce qu'on ne sait pas à quel moment elle est devenue Akara. Effectivement, maintenant, c'est au troisième mari, on s'est aperçu qu'elle ne peut toujours pas donner d'enfant. Mais peut-être c'est seulement à partir du troisième qu'elle est devenue réellement Akara, et qu'avant, elle aurait pu. C'est seulement eux qui n'ont pas pu avoir des enfants avec elle. Iba Aleu, on s'est posé la question, Beth Amidrash. Niset Larvi Veayula Banim. Si elle s'est mariée avec un quatrième, et elle lui a donné des enfants. Naoud Etit Be'ael Ashlishi. Est-ce que maintenant, elle peut, elle, réclamer au troisième mari qui lui paye la Ktouba? Parce qu'on a dit au troisième mari, il ne lui paye pas la Ktouba. Il doit la divorcer sans lui payer la Ktouba. Ah, maintenant on a vu qu'avec le quatrième mari, elle a réussi à avoir des enfants. C'est bien qu'elle n'était pas Akara. Pourquoi alors elle ne pourrait pas réclamer sa Ktouba du troisième mari? Alors on dit non. Pourquoi elle ne peut pas lui réclamer? Parce qu'on lui dit Amri Nanla, Shtikutir Yafam Idibourir. Parce qu'on va lui dire c'est mieux que tu te taises plutôt que tu vas parler. Des matzé amarla, parce que le troisième mari peut te dire Anna adanta de achil o gerashtir. Il dit moi, pourquoi je t'ai pas divorcé? C'est parce que j'ai pensé que tu étais Akara. Mais si je pensais que tu pouvais avoir des enfants, je t'aurais pas divorcé. Donc maintenant que tu as eu des enfants avec un quatrième mari et qu'il s'est avéré que tu n'es pas Akara, les mafréas rétroactivement, il va s'avérer que le guet qui t'a été donné, il a été donné bêta-out. Moi, je t'aurais pas divorcé. Donc, si je t'aurais pas divorcé, je t'aurais pas payé la Ktouba. Donc, ne réclame pas la Ktouba. Matkifla, Rastapa. Rastapa, il objecte dessus. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? I shatka. Si elle va se taire. Anan, mishat kinan. Est-ce que nous, le Beddin, on va se taire? Au contraire, elle a un très bon argument. Vu que le troisième mari l'a divorcée, parce qu'il pensait qu'elle était Akara. Et alors maintenant qu'on a établi qu'elle n'est pas Akara puisqu'elle a eu des enfants, Nimsa get batel, vebane amamzerin. Alors le get du troisième mari, il est donc annulé, et les enfants qu'elle a eu avec le quatrième mari sont donc mamzerin puisqu'il n'a pas voulu la divorcer. S'il avait su qu'elle était pas Akara, il n'aurait jamais divorcé. Donc elle qui réclame maintenant sa Ktouba, ça nous fait à nous le Beddin se poser la question si ces enfants du quatrième mari qu'elle a eu ne sont pas réellement mamzerim, puisque le troisième ne l'aurait jamais divorcé s'il savait qu'elle pouvait avoir des enfants. Alors pourquoi le Beddin ne dit rien quand même? C'est parce que nous on dit que c'est pas parce qu'il avait un safek si elle allait pouvoir avoir des enfants ou pas qu'il a divorcé. C'est qu'il a décidé de la divorcer en toute situation. Et donc, alors il ne peut pas se dérober et refuser de payer la Ktouba. Alors Rav Papa, il explique pourquoi malgré tout le troisième mari n'est pas tour de payer la Ktouba. Il dit, et là Amrina n'a acheté ou débriata. On va dire que maintenant, jusqu'à présent, peut-être qu'elle était à Akara. Et maintenant, elle a guéri, elle a pu avoir des enfants avec le quatrième mari. Donc le divorce du troisième mari était bien normal. Et donc il n'avait pas lui payé la Ktouba. La Gemara nous dit, Hu Amar Mina, Veyi Amra Mine. Lui, il va dire, moi je sais que c'est elle qui provoque le fait qu'il n'y ait pas d'enfants. Et c'est pour ça que j'ai pas pu en avoir. Le troisième, il va dire ça. Et elle va dire, non, c'est lui qui avait le problème. La preuve, c'est que moi, avec mon quatrième mari, j'ai pu avoir des enfants. Alors qui on va croire? Amar Rabbi Ami, Devarim Shebeno Lebena Nehemenet. Si c'est des choses qui concernent la relation entre elle et lui, alors oui, on peut la croire à elle. Veta Amamai, pourquoi on va plus la croire à elle qu'à lui? Yi Kaima la Beyore Kehet. Parce que c'est elle qui sent si le Zera a pu pénétrer en elle comme une flèche.
et que c'est ça qui fait qu'une femme peut tomber enceinte ou pas. Si elle ne sent pas, alors elle pourra toujours dire que c'est lui qu'elle n'a pas senti et que c'est lui le problème. Et lui, par contre, il ne peut pas savoir si son zéra est sorti comme une flèche ou il est sorti doucement et que ça fait qu'elle n'a pas pu féconder de cette union. Donc c'est pour ça que c'est plus elle qu'on croit que lui. Amar ihu ezel intsibite taviv dok nafshai. Alors on dit, alors lui il va dire, ok, moi je vais marier avec une autre femme avant de vérifier avec la première. D'accord ? Ça veut dire, le troisième mari peut dire, bah, moi au lieu de la divorcer maintenant, je peux aller vérifier avec une autre femme et je vois si elle tombe enceinte de moi. Si elle tombe enceinte de moi, c'est que moi je sais être yore kehet, je sais avoir des relations en sortant le zera comme une flèche. Est-ce qu'on va lui permettre de faire ça ? Amar Rabbi Ami, af bezo yotzi beten ktuva. On dit non, même dans ce cas-là, il faut qu'il divorce et qu'il paye la ktuva. Chez Ani Omer, parce que moi je dis, comme ça il dit Rabbi Ami, kol anosei isha alishto yotzi beten ktuva. Parce que tout celui qui se marie avec une autre femme en plus de sa femme, il faut qu'il divorce la première et qu'il lui paye la ktuva. On ne reste pas marié avec plusieurs. Déjà à l'époque, c'était pas Rabbi Ami. Rava Amar, Rava il n'est pas d'accord, lui dit qu'on peut se marier avec plusieurs femmes, quatre femmes il dit. Rava Amar, nosé Adam Kamanashim alishto. Un homme peut se marier avec plusieurs femmes, à part sa femme. Vehu, de itre lemizaninhi, à condition qu'il ait les moyens de pouvoir les nourrir toutes. L'Agmar nous dit, ou Amar, le mari va dire, appelt bego aeser. Ça veut dire que même qu'il y a eu 10 ans qui sont passés et qu'on n'a toujours pas eu d'enfant, je ne suis pas obligé de la divorcer. Pourquoi ? Parce que peut-être. Parce qu'on avait dit dans la Mishnah qu'on compte les 10 ans à partir du moment où elle a fait une fausse couche. Si jamais elle a fait une fausse couche, on commence à compter les 10 ans, d'accord, à partir de cette fausse couche. Donc il peut dire, elle a eu une fausse couche. C'est pour ça qu'au bout de 10 ans qui sont arrivés, je ne suis pas obligé de la divorcer. Vei Amrad, lo apelit. Elle va dire, mais non, pas du tout, je n'ai jamais fait de fausse couche. Parce que je suis stérile. Qui on va croire ? Amar Rabbi Ami, abezo hine emenet. Rabbi Ami va dire, même dans ce cas, c'est elle qu'on croit et pas lui. Deimita deipila, parce que si réellement elle avait fait une fausse couche, nafsha be'akarata lomarzeka. Alors elle aurait jamais menti et dit qu'elle aurait été stérile. Parce que les gens ne veulent pas se marier avec une femme stérile. Mais si elle sait qu'elle a une fausse couche, elle va le raconter à tout le monde pour montrer qu'elle est féconde, cette femme. Donc c'est pour ça qu'on la croit plus à elle. Ipila vechazra veipila. Vechazra veipila. Si cette femme, malheureusement, elle a eu une fausse couche, elle a eu encore une autre fausse couche, et ensuite, une troisième fois, elle a eu encore une fausse couche, urzeka l'infalim. Là, elle a la chazaka qu'elle met au monde des fœtus, quoi. C'est-à-dire qu'elle perd ses bébés, et il faut donc la divorcer et lui payer la ktouba. Et pourquoi il doit lui payer la ktouba ? Parce qu'on considère que c'est lui qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec elle. C'est une femme qui peut donner des enfants. Or, à chaque fois qu'elle donne des enfants, elle fait des fausses couches. Donc c'est lui qui n'a pas le mérite d'avoir des enfants avec elle, donc il doit lui payer la ktouba. Ou Amar Apilatré. Alors lui va dire, non, elle a fait que 2 fausses couches. Donc moi, je ne suis pas obligé de la divorcer. Veyamratlat. Elle va dire, non, j'ai déjà fait 3 fausses couches, donc il faut me divorcer et me payer la ktouba. Qui on va croire ? Amar Abitrak Ben El-Azhar. Ou Vada Have Ben Midrasha. Rabbi Trak Ben El-Azhar nous dit, il y a eu une fois une histoire comme ça au Bet Midrash. On s'est posé la question. Veyamrou, hi. Mehem. Et Chachamim ont dit, c'est elle qu'on croit. Si elle dit qu'il y a eu 3 fausses couches, même si lui dit qu'il n'y en a eu que 2, on ne le croit pas. Et donc on le force à divorcer et lui payer la ktouba. De imita de lo apla, nafsha benifle lo marzeka. Parce que si effectivement elle n'avait pas eu 3 fausses couches, elle n'en avait eu que 2, alors elle n'aurait pas menti et elle aurait dit j'en ai eu 3. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose. Si elle reconnaît, si elle ment et qu'elle dit qu'elle a eu 3 fausses couches alors qu'elle n'en a eu que 2, en disant qu'elle a eu 3 fausses couches, elle se rend inapte au mariage avec n'importe qui, puisque personne ne va vouloir se marier avec une femme qui fait que des fausses couches. Donc c'est pour ça qu'on la croit. La Mishnah nous dit, Haïch metsouvé al periya verivia avalo haïcha. L'homme est ordonné par la Torah d'accomplir la mitzvah de faire des enfants. Mais la femme n'a pas cette mitzvah. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, al shnehem. Rabbi Yochanan ben Beroka est cholek, il dit non, la mitzvah elle est sur les deux. Pourquoi ? Parce que, ou Omer, c'est écrit dans Bereshit Perek Aleph Pasuk Afret, au début de la création du monde, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé
Adam et Chava, qu'est-ce qu'il leur a dit? Vaivarech otam Elohim vayomer lahem Elohim peru uvu. Hachem les a bénis et il leur a dit à eux deux, fructifiez-vous. Donc c'est les deux qui ont la mitzvah, ça c'est Rabbi Yochanan ben Beroka. Mais Tanakama, il dit non, la mitzvah elle est que sur l'homme. L'Agmara nous dit, mais naha nemile. D'où on sait alors que, d'où Tanakama il sait que la mitzvah elle est que sur l'homme? Ah, et le pasouk qui nous dit que c'est sur les deux. Amar bil'am ishum Rabbi Elazar b'Rabbi Shimon. Amar kra umilu et ha'aretz v'chipshuha. Toujours dans le même pasouk, après que Hachem les a bénis, il leur a dit fructifiez-vous. Le pasouk dit umilu et ha'aretz v'chipshuha. Ça veut dire remplissez la terre et il faut la conquérir. Ish darkolir bosh. C'est l'homme qui fait les guerres, qui conquiert les territoires. D'accord? Yen isha darkolir bosh. Par contre, une femme, ce n'est pas son rôle de conquérir. Elle fait elle s'occupe de la maison, des enfants, et c'est l'homme qui part en guerre. Donc, comme on a dit, remplissez la terre. Juste dans le même pasouk où on a dit fructifiez-vous, Tanakama déduit de là que la mitzvah de se fructifier, d'avoir des enfants, elle n'est que sur l'homme. Adraba, vechivshuha, tarte machma. Regarde, le pasouk nous dit vechivshuha, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse autant à Adam que à Chava. Fructifiez-vous et je vous demande de conquérir la terre. Donc c'est à vous deux, l'homme et la femme. La Gemara nous dit Amar Nachman bar Yitzhak, vechivshuha k'tiv. Ça veut dire, il y a écrit Vechiv Shuha. Il n'y a pas écrit avec le Vav. Vechiv Shuha. Il y a écrit Vechiv Shuha, c'est Shuruk. C'est pas Shuruk, c'est Kubut. Et avec un Kamat après sur le He. Donc il manque le Vav de Chiv Shuha. Et c'est comme si qu'il y a écrit Vechiv Sha. Vechiv Sha, ça veut dire tu vas toi la conquérir au singulier. Donc on parle à l'homme. S'il y avait le vav, alors oui, on aurait dit que effectivement, Kadosh Baruch Hu s'adresse aux deux, même pour conquérir la terre. Rav Yosef Amar Me'acha. Il dit, Rav Yosef, non, d'où on sait que finalement, il n'y a que l'homme qui a l'ordre de faire des enfants. Ça, il faut aller jusqu'à Yaakov. Dans Bereshit Perek Lamedhe, Patsuk Yudalef, il écrit Ani El Shaddai Pere Urve. D'accord? Kadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, fais des enfants. Je suis El Shakai et Pere Urve au singulier, fait des enfants. Velo Kamar Pere Urvu. Il n'a pas dit faites des enfants, toi et tes femmes. Il lui a dit toi, je te parle à toi, fais des enfants. Donc, de ce pasouk, on a l'impression que c'est que pour l'homme et pas la femme. Mais l'homme, il ne peut pas faire des enfants. Nahon. Mais qui a l'ordre de. Par exemple. Si la femme avait la mitzvah d'avoir des enfants aussi, et si l'homme ne veut pas avoir d'enfants par exemple, ou ne peut pas, alors peut-être là elle aurait dû, elle, demander le divorce. Or ici on voit que c'est toujours le mari qui demande le divorce quand la femme n'a pas pu lui donner des enfants. Pourquoi c'est le cas? C'est vrai que c'est dans tous les cas l'homme qui donne le divorce. Maintenant qui c'est qui doit le demander? C'est l'homme, parce que c'est lui qui a la mitzvah de faire des enfants. D'accord? Alors, « Ve'amar Rabbi Amishum Rabbi Elazar b'Rabbi Shimon » Keshem she mitzvah al adam lomar davar anishma, kach mitzvah al adam shelo lomar davar sheno nishma. Alors, puisqu'on parlait de Rabbi Ilaha en haut, c'est-à-dire de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Rabbi Ilaha nous amène deux enseignements encore qui ont été dits par Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Et il nous a dit comme ça. De même qu'il y a une mitzvah, c'est-à-dire lorsque quelqu'un voit son ami qui est sur le point de faire une avera, et qui sait que s'il va lui parler, il va réussir à le convaincre, à se retenir, alors il a la mitzvah d'essayer de le convaincre de ne pas faire la Avera. Mais s'il sait que de toute façon ça ne va rien faire, et que son ami ne va pas l'écouter, alors il a la mitzvah de rien dire. C'est-à-dire un reproche qu'on fait, c'est seulement si on sait qu'il va être accepté. Sinon ça ne sert à rien de parler. Rabbi Abba Omer, Rabbi Abba nous dit, « Chova !» Rabbi Abba nous dit non, ça veut dire, à part le fait de ne pas reprocher à quelqu'un qui ne va pas t'écouter, c'est une obligation de ne pas lui faire un reproche pour ne pas qu'il le haïsse et qu'il va se mettre en danger. Chez Ne'emar, Al Tochiach Let Pen Isna Eka Ochach Lachacham Veyaveka. Comme c'est écrit dans Michelet Perektet Pasukret, ne reproche pas le moqueur
ne fais pas de reproche à un moqueur parce qu'il risque de te haïr. Et par contre, fais des reproches à un chacham parce qu'il va t'aimer. Ve'amar Rabbi Il'am, Mishum Rabbi Il'azar Rabbi Shimon, Mutar lo la'adam leshanot bedavar ha-shalom. Rabbi Il'am nous dit au nom de Rabbi Il'azar Rabbi Shimon, un homme a le droit de modifier la vérité pour le bien, pour le shalom, pour qu'il y ait le shalom. Chez Ne'emar, comme on a vu dans Bereshit Pereknoun, Pasuk Tet Zayin et Yud Zayin, à propos des frères de Yosef, lorsque leur père est décédé, ils lui ont dit « Avicha tziva, ton père a ordonné « Kotomru le Yosef, anas anas pechanchecha vechatatan kira agen alocha » C'est-à-dire, dites à Yosef que c'est moi, Yaakov, qui prends sur moi avec mon décès de pardonner la vente des frères. En fait, il leur avait jamais dit ça. Mais eux, ils ont dit ça pour qu'il y ait le shalom entre eux, pour maintenir ce shalom, et que chas v'shalom, après la mort de Yaakov, Yosef ne va pas chercher maintenant à se venger contre ses frères. Rabbi Nathan Omer, mitzvah. Rabbi Nathan dit, il y a aussi une mitzvah. C'est pas seulement que c'est permis. C'est une mitzvah de modifier la vérité pour le shalom. Chez Nehemar, comme on voit dans Shmuel Aleph, Perek Tet Zayin, Pasuk Bet, après que Hachem a dit à Shmuel Hanavi qu'il aille à Bethléchem pour oindre David Amelech et le nommer à la place de Shaoul, va yomer Shmuel, Ech Elech Veshama Shaoul Varagani. Shmuel il dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment je vais aller? Shaoul il va entendre ça, il va me tuer. Comment du vivant, du roi, moi je nomme un autre roi? Ça ne s'est jamais passé. Et alors Hachem lui dit non, tu vas prendre un petit, une aigle, une petite génisse, et tu vas dire que tu vas à Bethléchem pour faire des corbanotes. Alors c'est pas vrai, mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu donne un conseil à Shmuel de modifier son but, pour, d'accord, la raison pour laquelle il va à Bethléchem, juste pour qu'il y ait le shalom et que Shaoul ne parte pas en guerre contre lui. Donc pour la sécurité de Shmuel, qu'il ne soit pas mis en danger à cause de ça, Akadosh Baruch Hu a accepté qu'on change la vérité. Des Ber Bishmael Tana. Et au Beth Amidrash de Bishmael, on a enseigné. Gadol HaShalom. Le shalom, c'est grand. C'est important. She'af Akadosh Baruch Hu Shinabo. Même Akadosh Baruch Hu lui-même, il a changé pour le shalom. Des Me'ikara Ketiv Vadoni Zaken. Au début, lorsque on raconte la réaction de Sarah, lorsque les Malachim vont lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, il y a écrit qu'elle va t'itzrak Sarah, elle a rigolé. Elle a dit, va donner Zaken, mon mari est vieillard, comment je vais avoir des enfants? Ou le Bassof. Et à Kadosh Baruch Hu, on voit que lorsqu'il a raconté ça à Abraham, qu'est-ce qu'il a écrit? Ketiv, va anizakanti. D'accord? C'est pas que mon mari est vieux. C'est qu'elle dit, moi je suis vieille, pour ne pas vexer Abraham Avinu. Donc en fait, elle avait dit pour vexer Abraham Avinu, mon mari il est vieux. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il raconte à Abraham, il modifie l'histoire pour que Abraham Avinu ne soit pas vexé par sa femme et qu'il dit qu'en fait, c'est sa femme qui a dit « Moi, je suis vieille, je ne peux pas avoir d'enfant. » Kaviyachol, comme si lui, il n'y a pas de problème. Regardez comment le shalom, c'est tellement important. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Rabbi Yochanan ben Beroka dit dans un Mishnah que l'homme et la femme, les deux ont la mitzvah d'avoir des enfants. Alors, Itma. Rabbi Yochanan ver Bishwa ben Levi. Donc, il y a une machloket au Bet Amidrash entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Had amar alacha ke Rabbi Yochanan ben Beroka. Un, il a dit la alacha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, que la femme aussi a l'ordre d'avoir des enfants, de mettre au monde des enfants. Ve had amar en alacha ke Rabbi Yochanan ben Beroka. Et un autre, il a dit non, la alacha est comme Tanakama, c'est que l'homme qui a la mitzvah d'avoir des enfants. Tistayem de Rabbi Yochanan hu de amar en alacha. Essaye de, tu peux prouver de cette histoire qu'on va raconter, que c'est Rabbi Yochanan qui pense que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est deux chachamim différents. Diyativ Rabbi Abaou veka amar mishme de Rabbi Yochanan. Parce qu'un jour, Rabbi Abaou, il était en train d'enseigner cet avis. Il était en train de dire au nom de Rabbi Yochanan, halakha, que la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Veadrin hu Rabbi Ami ve Rabbi Yassi le apayhu. Et quand Rabbi Ami et Rabbi Yassi ont entendu ça, ils ont tourné leur visage pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Et que ce qu'a voulu dire Rabbi Abaou n'était pas juste, et que Rabbi Yochanan n'a jamais dit ça. Et donc, comme ils étaient respectueux de Rabbi Abaou, ils lui ont pas dit en public, tu t'es trompé. Ils ont juste tourné leur visage pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, de cette histoire, on voit que finalement, Rabbi Yochanan pensait que la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Beroka. Et comme Tanakama, qu'il n'y a que l'homme qui a la mitzvah d'avoir des enfants. Vika de Amré, il y en a qui disent non.
Cette histoire s'est passée avec Rabbi Chaya bar Abba à Marl. Donc c'est Rabbi Chaya bar Abba qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Baruka, et Abrinu Rabbi Ami et Rabbi Assi l'Apayou, et Rabbi Assi ont tourné leur visage pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Rav Papa Amar Bish la Malimande Amar Rabbi Abaou Amra. Alors Rav Papa, il dit, je comprends d'après la première version qu'on avait que cette histoire s'est passée avec Rabbi Abaou, Mishum Kevod Be Kessar Lo Amroulé. Pourquoi ils ne lui ont pas dit en public? Parce que Rabbi Abaou était très haut placé par rapport à l'empereur. L'empereur l'aimait beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu lui faire honte en public, parce que c'est quelqu'un qui a de l'influence. Ils n'ont pas voulu se mettre en danger de lui faire un affront en public. Lo Amrou, les vélos midi, c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit, qu'ils s'est trompé. Et là, les man des Amar, Rabbi Chaya bar Abba Amra, mais d'après ceux qui disent que c'est Rabbi Chaya bar Abba qui a dit ça, que la lacha est comme Rabbi Yochanan alors que c'était pas vrai, les moulés, ils auraient dû lui dire Lo Amar Rabbi Yochanan achi, ils auraient dû lui dire non, Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Donc finalement, cette histoire, c'est plus probable qu'elle s'est passée avec Rabbi Chaya bar Abba. Maï hava ala. Alors maintenant, c'est quoi la maskana? Est-ce que Rabbi Yochanan a été possède que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, que l'homme et la femme ont la mitzvah, ou pas? Tashma. Alors, là, on amène un enseignement d'Amar Rabbi Aha bar Chanina, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Assi, ou Vada Hava Kame de Rabbi Yochanan. Un jour, il y a une histoire devant Rabbi Yochanan qui s'est passée, Biknishta de Kesare, dans la synagogue de Césarée. Il y avait donc une femme qui n'avait pas d'enfant, et donc elle a demandé à son mari, au Beddin, qu'on force le mari à la divorcer pour que elle puisse se marier avec quelqu'un d'autre et avoir des enfants. Vous voyez, parce qu'on considère que les deux ont la mitzvah, donc elle dit, il ne peut pas me donner des enfants, moi il faut que je me marie avec quelqu'un d'autre. Ve'amar yotzi, ve'iten ktuba. On voit que Rabbi Yochanan, il a dit, oui, il faut la divorcer, lui payer la ktuba. De là, on voit que Rabbi Yochanan pense que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Beroka, que la femme a la mitzvah aussi d'amener des enfants. Et si elle voit qu'elle n'en a pas, c'est elle qui doit provoquer le divorce. Vissalkadatar lomi pakda. Si tu disais qu'elle n'avait pas l'ordination, l'ordre d'avoir des enfants, alors, ktuva mai avita. Pourquoi Rabbi Yochanan a été possé que le mari doit lui donner la ktuva? Arrête, le mari il peut dire, mais tu n'es pas ordonné de la mitzvah de Piri Averivia, donc tu veux divorcer sans raison. Et donc, si tu veux divorcer sans raison, tu n'as pas à me réclamer l'aktouba. De là, on voit que donc Rabbi Yochanan pensait que la femme a le devoir d'amener des enfants comme de même que l'homme. Dilma beba amihamat ta'ana. Alors, la Gemara nous dit, mais non, peut-être que cette femme qui est venue devant Rabbi Yochanan, ça veut dire cette histoire qui est arrivée devant Rabbi Yochanan, il s'agissait d'une femme qui voulait divorcer, parce que elle avait une vraie raison. C'est quoi sa vraie raison? Elle veut avoir des enfants, pas parce qu'elle a la mitzvah d'avoir des enfants. C'est pour ne pas vieillir seule. Elle veut avoir un fils qui va pouvoir s'occuper d'elle dans ses vieux jours. Donc c'est pas parce qu'elle a la mitzvah, mais c'est une raison assez valable pour qu'elle veuille divorcer et que son mari doit lui payer la ktouva. Pas parce qu'elle elle a la mitzvah d'avoir des enfants. Qui haïd a atay le kamé des Rabbi Ami. Comme cette femme qui est venue voir un jour Rabbi Ami. Et elle a dit, je demande à mon mari de me divorcer parce qu'il ne m'a pas donné d'enfant. Amrale havlik touba. Alors il dit à la femme, donc la femme elle dit à Rabbi Ami, demande-lui de me, ça veut dire, oblige mon mari de me payer la touba. Amarla zil, il a dit non, sans, parle. Ton mari n'est pas obligé de te divorcer. L'homi pakdat, toi tu n'es pas ordonné de la mitzvah de Piria Verivia. Amrale, mitsevu dila, maitive ala dehar il teta. Alors cette femme a dit à Rabbi Ami, mais moi quand je vais vieillir, qu'est-ce qui va se passer avec cette femme qui se trouve devant toi? Qui c'est qui va s'occuper de moi? J'ai besoin d'avoir des enfants? Amar kiha vadai kafina. Il a dit, alors si c'est ça, effectivement c'est un bon argument. Et on va demander à ton mari de te divorcer. Parce que c'est une bonne raison. Donc on voit de là que lui dit non, elle n'a pas l'ordre d'avoir des enfants, mais si elle dit qu'elle veut avoir des enfants pour ne pas être seule dans sa vieillesse, d'accord, alors c'est une bonne raison de demander au mari le divorce. Aïda Ata, il est kamé de Rav Nachman. Un jour, il y a une femme qui est venue voir Rav Nachman. Et elle lui a dit demande à mon mari de me divorcer parce que je n'ai pas d'enfant de lui. Amarla, l'homme ipakdat. Il a dit, mais toi, tu n'as pas la mitzvah d'avoir des enfants. Donc si tu veux divorcer, c'est qu'il n'y a pas de raison, et tu n'as pas de raison d'avoir donc la ktouba. Amra le lomba ya harit eta hutra lida umara likvura.
Elle dit, est-ce que la femme qui est devant toi, elle n'a pas besoin d'avoir houtra lida, ça veut dire un bois, une canne pour se, pour pouvoir s'appuyer dessus, ou mara likvura, ça veut dire quelqu'un qui va pouvoir creuser sa tombe pour pouvoir l'enterrer, ça veut dire qu'elle a besoin d'avoir un descendant qui va s'occuper d'elle. Son bâton de vieillesse, exactement. Amar kiha vadek afinan. Alors si c'est ça, il faut qu'on oblige ton mari à te divorcer et il te payera la ktouba, parce que c'est une bonne raison. La Gemara raconte une autre histoire. De quelqu'un qui est venu devant Rabbi Chaya et il a dit que la femme n'a pas la mitzvah de Pirei Verivia. Un jour, Yehuda vechizkia, teomim hayu. Donc Rabbi Chaya avait deux enfants jumeaux, Yehuda et Chizkia. Echad nigmerat surato les softisha. Un, il a eu 9 mois pour grandir dans le ventre de sa mère. Vechad nigmerat surato les trilat shiva. Et le deuxième jumeau a eu que 7 mois. Ils n'ont pas été conçus ensemble, mais ils sont nés ensemble. Yehudit débitou de Rabbi Chaya, donc Yehudit, leur mère qui était la femme de Rabbi Chaya, havalat tsar leda, elle a beaucoup souffert de cet accouchement. Shanaï mana ve'atia lekame de Rabbi Chaya, elle a changé ses vêtements pour que son mari ne la reconnaisse pas. Et elle est venue au Bedin de Rabbi Chaya, son mari. Amra, iteta mipagda apiria berivia. Elle lui a dit, est-ce que la femme, elle a l'ordre d'avoir des enfants? Amarla, l'eau. Il lui a dit non. Azla, ishteya sama de akarta. Alors, elle est rentrée à la maison et elle a bu un poison qui fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, qui la rend stérile. Parce qu'elle ne voulait pas retomber enceinte et ressouffrir comme elle a eu pour cet accouchement de jumeaux. Les sofi galay milta. À la fin, l'histoire s'est révélée. Il a entendu ça, Rabbi Chaya. Amarla, iku, yaldat li hada karsa harita. Alors il a dit, non, alvaï que tu n'aurais pas bu ce poison qui t'a rendu stérile. Parce que tu aurais pu m'amener deux autres jumeaux dans une même chilia, dans un même placenta. Là, ils auraient été nés les deux à 9 mois. D'accord, pas comme on a eu nous un des jumeaux qui est né à 9 mois et l'autre à 7 mois, donc forcément c'était de deux placentas différents. On aurait pu avoir deux jumeaux d'un même et tu n'aurais pas souffert autant d'Amar Marie ou d'Averchiskia Ahé Pazi Vetave. Parce que on nous dit que Remar il nous dit que Yehuda Chizkia, les enfants de Rabbi Chaya, c'était les frères jumeaux Pazi Vetave Arvata. Les filles de Rabbi Chaya, elles aussi étaient des jumelles. Donc il a eu donc des jumeaux et des jumelles. La Gemara nous dit velo mi pagde. Donc on voit qu'en fait c'est quoi? C'est que cette histoire n'est pas arrivée qu'une fois. C'est pas qu'il a eu juste sa femme a eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux et ensuite elle a eu des jumelles. Et après ça elle a pris le poison pour ne plus tomber enceinte. Elle a vu qu'elle avait des jumeaux, qu'elle souffrait grave de l'accouchement. Quand son mari lui a dit, il savait pas que c'était elle, mais il lui a dit que la femme n'a pas l'ordre d'avoir des enfants. Elle s'est dit, attends, je vais pas me mettre en danger de mort à chaque fois pour il me fait que des jumeaux, donc c'est dangereux pour moi. Donc c'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il y a eu Pazi et Tavi qui étaient donc deux jumelles que Rabbi Chaya a eu aussi avec cette femme. La Gemara demande velo mi pagdi, et quoi, la halakha c'est que la femme n'a pas l'ordre d'avoir des enfants. Mais Amar Rav Katina, Amar Rabbi Yitzhak, Maase Beisha Achas, Chetia Shifra, Chetia Batrorim. Voici l'histoire d'une femme, d'une servante kénaanite, qui a été donc achetée par deux associés. Un l'a libérée et l'autre ne l'a pas libérée. Donc elle était moitié libre, moitié esclave encore. Et donc ce dîne, c'est qu'elle n'a pas le droit de se marier ni avec un Israël, parce qu'elle est moitié Shifra, ni avec un Eved, parce qu'elle est moitié Ben Khori, Batrorim. Kafou et Rabba, donc Rachamim ont obligé le deuxième associé de la libérer, va à sa Batrorim. Et effectivement, il a rendu libre pour qu'elle puisse se marier. Donc si on a fait ça, c'est que même la femme, elle a l'ordre d'avoir des enfants, sinon elle aurait été bloquée.
Amar Rav Nachman bar Yitzhak, minhag efker nahaguba. Non. Rav Nachman bar Yitzhak dit, pourquoi on a forcé le deuxième associé à la libérer? C'est parce que comme elle pouvait se marier avec personne, tout le monde allait avec elle sans se soucier. Parce qu'il savait qu'elle était de toute façon bloquée, qu'elle ne pouvait pas se marier. Donc comme c'est arrivé à des choses graves, les gens, Chachamim voulaient empêcher le znout, alors ils ont obligé son deuxième, le deuxième associé de la libérer aussi pour qu'elle puisse se marier. Hadran alach, haba al yebimto.